Wesh l'équipe, bien ou bien? Bien, Bon. et Eid Moubarak à tous, le premier Bayramınız message. mübarek olsun, ça c'est en turc, et toi Ouais, tu l'as dit en Eid pakistanais? Moubarak continue. Ouais. En pakistanais. En pakistanais. Et en arabe tu dis Eid Mabrouk. Eid Mabrouk. Simplement c'est le ramadan, on va voir s'il l'a tenu ou pas. Voilà, on voulait faire, j'ai dû, obligé de faire une intro parce que la vidéo elle est sortie bien après que je l'ai tournée. Et voilà, là, les gars, bon visionnage, et vous mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé. Voilà. Ouais, il y a le retour de la hi-fi aussi. J'ai oublié de vous dire, vu qu'on poste la vidéo 15 ans après, la hi-fi est de retour, gars. La hi-fi est de retour, yeah, GG, failli. Sauf que on va faire une vidéo ce soir, du coup, pour... Ouais, pour buzzer encore tu, les gars. Allez, à toutes. Wesh les mecs, bien ou bien. Et bienvenue sur ma chaîne La Base. C'est un honneur de tous vous recevoir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est une journée assez particulière parce que cet homme ici présent, Monsieur Yohan, a.k.a. Yomax, va faire son premier ramadan ever. Bon, il n'est pas musulman, mais c'est juste pour tester l'expérience. C'est Idriss pour une vidéo, il m'a dit. Je cite. Non, le créateur du concept. Les gars, c'est simple. Yo, l'année dernière, il devait faire le ramadan, il l'a pas fait. Là, aujourd'hui, les gars, on va faire 24 heures avec lui. S'il faut, tu dors au local. Et je reste devant lui, je le regarde comme ça tout le long, 24 heures, pour pas qu'il boit, et pour qu'il mange. Et potentiellement, il y aura peut-être des vidéos Kenny. Rats, Ramadan, Yomax. Oh, par contre, attends, monsieur. On aurait peut-être pensé à accélérer. Il est 2h58, il y a Game of Thrones dans 2 minutes. Effectivement, donc on vous présente la dernière personne, Emra. Qui... Wesh l'équipe, bien ou bien? Un petit big up pour les frérots enfermés. N'hésite pas. Pour tous les refrains enfermés, on pense à vous. Ils font le ramadan eux aussi. Je peux t'assurer qu'ils mangent pas à leur faim. Bon les gars, je suis en train de préparer ma chiche, mais bref. En fait, le concept c'est simple. C'est Yohan vient faire le ramadan, pourquoi? C'est tout simplement les gars, il se fout de ma gueule, il boit des cafés devant moi, de l'eau devant moi. Il dit je fais un régime, je mange à midi plus à 18h, un truc comme ça. Mais gros, il sait pas que le ramadan, il m'a dit mais c'est facile à faire. Je lui dis, gros quick devant moi. Et moi aussi j'ai faim à ce moment-là. On mange ensemble les couilles, si tu parles. Bref, du coup c'est simple, il se l'a raclé sur moi, il buvait devant moi, il me dit mais ça doit être facile le ramadan. Écoute-moi. J'avais dit ça. Écoute-moi maintenant. Non, il va souffrir demain. Bon, faut. Je vais remettre les choses au clair tout de suite. Mais il y a toute la vidéo pour le dire. Faut souffrir pour être beau, comme on dit. Je vais remettre les choses au clair un peu plus tard dans la journée, t'inquiète. Je vais dire quelque chose. Facile le ramadan, hein, pour toi. Ok, bref, tu dis ta gueule. Parce que c'est simple, je vais te dire, moi je suis un Z, moi. Je me réveille à 14h. C'est pour ça, là il triche sur l'heure. Et déjà 14h, c'est hardcore. Je ne dirai rien, bon les gars, on va faire une coupure là, je crois. Je vais manger, enfin manger, j'ai déjà mangé, je vais boire un petit coup. Enfin, plusieurs coups. Ouais, je mets une clope, ce sera le plus difficile de la journée, je pense. Et ensuite, à plus, et manger. Je jure devant tous mes abonnés que tu vas le faire. Et je jure solennellement, sur la tête carrée, là-bas, que je vais le faire. Là, je vais le faire, les gars, pour de vrai. Bon, bah, les gars, Yohan va partir, il va rentrer chez lui dormir, puisqu'il va pas dormir au local, je rigole, je lui fais confiance. T'es prêt? Ouais, tranquille, je suis prêt, ouais, c'est bon, là, on vient de boire plein de verres d'eau et tout. Mais ça, je ferai le premier jour, c'est dur en général. Moi, ça fait deux semaines. Un seul jour, je vais pas mourir. Ça fait quoi? Un seul jour. On est presque à la moitié du ramadan. Nous, ça va maintenant, je suis à l'aise. Les premières semaines, c'était dur. Et Yohan, c'est son premier jour. J'ai une question, tu veux rendez-vous à quelle heure ici? Moi, je suis là. Du coup, demain, les gars. Parce que frérot. On a rendez-vous à quelle heure? 15h, en fait, 16h? Il se réveille à 17h, c'est facile le ramadan. Non, pas 17, c'est des mythes. Moi, les gars, je vais me réveiller à 10h du matin demain. Arrête. Bon, on va se lever, aller à 14h, même s'il y en a, ils vont dire ouais, faut se lever avant. Non, moi je suis là à 14h pour dormir. Mais ouais, je me lève à 14h, mais après, c'est pas par rapport au ramadan, c'est qu'on se lève toujours vers 14-15h. Tout simplement. J'ai marre, gros. Quoi? Dis. C'est pas vrai, gros, tu te lèves plus tôt d'habitude, arrête de mytho aux gens, wesh. Ouais. Non, mais. Tu te lèves plus tôt d'habitude, en vrai, de vrai, tu te lèves plus tôt. Jure maintenant, comme c'est pas grave. Mais frérot, on a rendez-vous à 14h du lundi au vendredi, c'est impossible que tu te lèves à 14h, on est ici à 14h. Bah 13h30, 13h45, je me lèverai, ouais. Bah okay. Là, frérot, tu te l'arrêtes, tu te lèves aussi tôt. Non, mais là, il fait style, ils me mettent dedans alors que. Oh, je compte sur toi, gros, c'est pas bien. Bon, l'équipe, et ouais, on est le lendemain, du coup, voilà, il est 15h, j'ai la mort, je me suis réveillé à 14h30. Mais c'est pas grave, on a rendez-vous là avec Yo. J'espère qu'il est. Bah, j'ai vu sa voiture, il doit être là. Et j'espère qu'il a fait son ramadan. Je vais lui poser des questions et voir s'il a vraiment fait le ramadan, quoi. Allez, c'est parti. Stop. Ça y est, 7ème. Wesh Faïs, t'as quoi? Tu regardes Kairi? Kenny rate son ramadan, les épisodes derniers qui étaient sortis là. Ah ouais?
Bien Faïs, ça va tranquille? Tranquille et toi Idriss, bien? Ça va, hein, ça se passe. Ouais, ça va. Mais il est où Johan là? Je le trouve pas frère. Bah Johan il le fait aussi hein. Mais il y a sa voiture mais il est pas là, il est où? La chicha d'hier les gars, quand on regarde des Game of Thrones. Ah, il a promis Johan, il l'a juré hein. Ouais, il l'avait juré. Il est où frère? Je me demande, il est où? Mais Yui! Qu'est-ce que tu fais là? Yui? Ramadan, Yui? Tu fais pas le ramadan? Non! Tu l'as cassé! C'est pas bien tout ça! Starfall! Vas-y, frère, t'es sérieux? Ah, vas-y, Idriss, ouais! Wesh, il s'est passé quoi, gros? Vas-y, raconte la tête de moi. Oh, tu devais le faire un jour. Oh, je devrais dû te parier 100 euros avec toi. Comme ça, tu l'aurais fait au moins. Franchement? Ouais, bah, parie toi pendant le ramadan. Vas-y, bien. Oh, merde. Franchement, la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bu. Mais t'as bu un café, frère? T'as dit, j'ai pas bu. Ah, t'as pas bu de l'eau? Oui. Ouais, c'est... J'ai rien mangé de la journée. Je me suis brossé les dents sans avaler l'eau. Ouais. Et t'as bu un café après? Ça compte? Ouais, normalement, je l'ai fait à moitié. C'est pas grave, c'est Ah, du coup, en fait, t'as fait un ramadan pas américain là, italien? Ouais, j'ai fait le ramadan italien, frérot. Non, la vérité. T'as vu, j'ai vraiment essayé de le faire. Vraiment. Mais gros, c'est les clopes, frère. C'est mal, hein. C'est tellement mal. C'est vrai, la clope, tout ça, c'est dur, les gars. La clope, c'est très dur. Par contre, frère, moi, excusez-moi, je fume la chicha. De pas boire de café. Moi, je fume la chicha et j'arrive à tenir, les gars. Eh ouais, je suis un pute. Tu fumes une chicha par jour? Nous les fumeurs ça fume des 2 paquets par jour, 1 paquet par jour, ça dépend des jours. Je suis un putain d'accro les mecs, je m'en veux. Voilà, mais j'ai cassé mon radar. Mais tu vois j'ai pas fait style juré, t'as vu, je mange pas de... Non frérot, je suis arrivé gros café devant Idriss. Je lui ai dit, oh mon pote, j'ai pas tenu. Je te le dis direct, je m'en fous de manger, de pas boire. Mais ouais, vas-y, c'est de la merde, les gars. Bah, du coup, c'est une vidéo prévention, faut arrêter les. Félicitations, en tout cas, t'as essayé. Du coup, t'as quasiment réussi, franchement. Il a presque réussi toutes les étapes. Ouais, du coup, t'es. Pour quelqu'un qui a jamais fait le ramadan, c'est déjà bien. On fera un deuxième épisode l'année prochaine. Je réussis. Il a pas dit la semaine prochaine. Ouais, il a pas dit la semaine prochaine. L'année prochaine. Bah, tu veux demain, yo, on commence encore. Non, je peux pas demain. J'ai mis 203, comment. C'était trop dur aujourd'hui. Bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah Johan, écoute, franchement c'est un fragilos. C'est un gars qui tient pas ses promesses. Fragilos. Un traître. Et c'est tout, j'ai rien à dire de l'autre. Mais c'est un bon pote, on va dire ça comme ça. Même si c'est un lâche. Un lâche aussi. Bon les gars, c'était la base. Prenez soin de vous, ciao ciao. Ça va, ça fait une petite vidéo. Bon les gars, c'est l'heure. Ah ça fait du bien. Putain. T'as fumé des clopes? Il a fait un ramadan. Comment on peut appeler ça? Italien frère, le ramadan italien. Vas-y, on va l'appeler ramadan italien, les gars. Bon, ben, du coup, je lui offre un quick, yo. Merci, ah, mais. Quand même, dans mon monde? Normalement, c'est si je réussis, tu m'offrais un quick. Ouais, exactement, mais bon. Je suis un douilleur, je bois des cafés, je fume des clopes et je mange des cuits bénef. C'est ça, du coup, je vais vous présenter le menu du soir. C'est ça, là, comme vous voyez. Du coup, ben, j'ai voulu manger avec vous parce qu'on va travailler aujourd'hui, on a plein de trucs à faire. Et voilà, du coup, j'ai pris 3 cases d'ail, les gars. Je suis un abuseur. Alors qu'il va en manger qu'un, je suis sûr et certain, il aura plus faim. Je le connais, Idriss Parker, le ramadan, et dès qu'il arrive l'heure de manger, il a pas très faim. 3 frites, iced tea et Yuan. Et moi, j'ai pris 2 burgers, des frites et Vittel, bien sûr, forcément. Yeah, oh, tu manges pas beaucoup, hein. Bon. Je suis au régime, normalement. Il a fait un ramadan, on va dire mi-temps, il a pas mangé. T'as pas mangé depuis Pas mangé, pas bu d'eau. Mais café et club. Café, il y a de l'eau dedans. Que café club aujourd'hui, je te jure. Voilà, du coup. Bah, c'est... Mais c'est pas un ramadan. Mais c'est bien, au moins t'as essayé au moins. Moi j'ai pas c'est mangé. C'est l'intention qui compte, hein, yo. Ouais, c'est l'intention qui compte. Bon, voilà, on va manger, voilà, j'ai. Voilà. Du coup, bah. Merci beaucoup. C'était une petite vidéo mode vlog un peu sympa, frère. Un petit délire drôle. Local, tout ça. Vous avez vu aussi un peu le local, je pense, dans cette vidéo. Il a évolué et il va continuer d'évoluer là bientôt. Ouais, tu peux leur présenter rapido, ça y est, j'ai mon setup au local. Voilà, ça, le setup, il a acheté Storage, il a 2000 balles. Donc là, je suis bien, j'ai envie de travailler. Et là, il y a un autre setup ici. Et on est en train de jouer à un jeu. Une OP, c'est, on fait une OP et on a déjà fait l'OP, on a déjà tourné. Normalement, c'est bon, c'est fini. Idriss, il aime trop le jeu, il continue de jouer. C'est et Game of Thrones, c'est la base. Ouais. Bon, fais la fin. Moi aussi, j'aime bien le jeu. Allez, les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Si on dépasse 40 000 j'aime.
je le fais cette semaine, le vrai. Allez, tu vois, le mec. Bah, mais c'est abusé. Il y a 40 000 frères, il faut qu'il fasse au moins une semaine. Hein. C'est pas 8 ans, attends. Ouais, c'est bon.